On va voir ce que va faire Manuel Carballo, l'Espagnol. Manuel Carballo, on connaît plus son grand frère qui a été champion du monde à la barre fixe il y a quelques années. Et depuis cette année, il s'envole littéralement à cet appareil, grand favori. Là, on peut apprécier cette ligne de jambe impressionnante. Salto en dessous, tour complet, vous allez voir, c'est très limpide, très propre. Petit pelt arrivé Jean Bécard. Élément bout de barre, salto en dessous. Suivi d'un petit pelt enroulé, grande originalité pour l'Espagnol. Là, pour l'instant, c'est parfait. Et la sortie, double salto arrière, ça pile. Et oui. Pour le titre donc, l'Espagnol Manuel Carballo. On va revoir ça au ralenti, le tipelt enroulé. Passage à la suspension, le gymnaste doit exécuter une grande force musculaire pour pouvoir faire le salto derrière. C'est beau ce que... Oui, c'est limpide, beaucoup d'aisance. Et le titre pour Manuel Carballo, 9-712. Un avantage assez net quand même pour l'Espagnol. Oui, logiquement, oui. C'est logique. Donc la victoire pour Manuel Carballo, 22 ans, qui s'impose devant Yann Cuchera. Médaille d'argent, nouvelle médaille française dans ces championnats d'Europe. Et nouvelle place en finale. Johan Mounard, donc 8e. On rappelle, il est tombé en finale.